Quand on en a assez des hivers froids et rigoureux, et qu'on a envie d'aller se promener un peu au soleil, et ben on se retourne vers les petits monts au bord du lac d'Annecy. Ici, c'est le mont Verrier. Je vais démarrer au-dessus de Verrier du lac, du petit hameau de la Combe. Je vais traverser jusqu'au-dessus du rocher du Biclope, là où les gens font de l'escalade. Monter jusqu'au sommet. En faisant la traversée des crêtes. Redescendre au col du Contrebandier. Et de là, rejoindre le hameau de la Combe. Ça promet une belle balade bien ensoleillée et chaude. Le hameau de la Combe, le lac, le Semnoz en face. Difficile de se garer ici, mais bon, faut pas venir au week-end. Voilà le départ. Donc ça, c'est le chemin du retour. Et là, c'est le petit sentier qui grimpe tout droit. Allez, on est parti. 5 à 10 minutes plus haut. Prendre à gauche, direction Biclope, Talabar, Petit Port. Ou si on veut monter directement, on monte sur le col des Sceaux, donc vers Montverrier. C'est par là. Ce sentier qui passe à flanc est vraiment très très agréable. Surtout à la mi-saison comme ça. Il surplombe le lac d'Annecy, qu'on a toujours sur sa gauche. Au fond, on découvre l'Impérial là-bas, au bord du lac à Annecy. Le sentier monte et descend jusqu'à arriver à Talabar. Superbe vue sur le lac et sur les Bauges au fond. Le col de l'Échaud, le Colombier au bout. Annecy de l'autre côté. Et le lac évidemment. Ensuite, on poursuit par le petit sentier qui monte vers le Mont-Verrier. Il commence à y avoir pas mal de fleurs, des primes vertes. Des pensées. De la petite pervenche aussi. Le printemps arrive. Lorsque le sentier rejoint le chemin qui monte du Petit Port, ça monte direct à la route du Mont Baron. Ils appellent ça le col de Prévernay. Et on va se diriger vers le col des Sceaux. Et voici le col des Sceaux. Avec une vue extraordinaire sur le lac d'Annecy. C'est une des plus belles vues sur le lac ici. Au fond, on aperçoit les Bauges. Ensuite, il va me rester à traverser toutes les crêtes là. Puis redescendre.
très beau spectacle aujourd'hui. Tout le Parlemelan, toute la chaîne des Aravis là-bas, la pointe percée tout au fond. Magnifique la vue. Le Mont Blanc tout là-bas au bout. La Tournette, les Dents de l'Enfant. De l'autre côté, ce sont les monts d'Albé là-bas, avec le Grand Arc. Là, les Bauges, la Sambuie. Le Roc des Bœufs, le Colombier, puis juste en face le Semnoz, le lac évidemment. Chouette aujourd'hui. Annecy là-bas au bout. Voilà, j'ai traversé tout ça. Et maintenant, plus qu'à prendre le sentier qui descend au col des Contrebandiers et rejoindre ma voiture qui est tout en bas là-bas. Et voilà la sympathique descente du col des Contrebandiers. Je ne vais pas descendre jusqu'au col des Contrebandiers, je vais descendre directement sur Verrier. Par le vallon des Contrebandiers. Arrivé à ce croisement, il faut prendre direction Montverrier par la Combe. Tout droit donc. Très chouette aussi le sentier de descente. Droit vers le lac. Voilà, retour à la Combe. 4 heures de marche, tranquille. Sous un beau soleil. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Mais la traversée du Verrier par le bas et par le haut, c'est quand même assez long. Sacrée journée quand même, extraordinaire.